Oh wow, it's so exciting. Hey les gars, vous avez raté le dernier épisode? Vous devriez vraiment le regarder, il est vraiment cool. Check it, huh? It's so cool. Précédemment sur la Golden Trail World Series, le record de chaleur jamais enregistré sur le marathon Zegama Isekori n'a pas empêché Kylian Jornet de prendre la tête de la course très tôt pour remporter son 9e Zegama. Côté féminin, Eliane fut la surprise de la journée en s'imposant de très belle manière alors qu'elle participait pour la première fois à une distance marathon. Ensuite, direction Chamonix pour le marathon du Mont Blanc où David Imanini s'est montré le plus fort en faisant une course d'attente jusqu'à la moitié du parcours. Côté femme, c'est Woodcroft qui prit la tête durant la seconde moitié de course pour remporter pour la deuxième fois consécutive un succès face au Mont Blanc. Canazai en Italie fut la troisième étape de la série. David Imanini se montra incisif dès le début de course en battant le record de Kylian Jornet à la montée. Côté féminin, alors que Maud Matisse semblait bien partie en battant également le record de Laura Org à la montée, c'est Judith Wider, multiple championne du monde d'orientation, qui s'envola dans la descente vers la victoire. Jetons un œil au classement avant Sierre Zidal. Concernant les hommes, Barthes est toujours leader. Estienne, son dauphin, prix d'Italie, sont parvenus à conserver leur classement. Davide, après sa victoire, a grimpé en 3e position, suivi tout proche de Nadir, avec seulement 24 points d'écart. Thibaut Baronian, qui n'a pas couru en Italie, descend de la 3e à la 5e place. Côté féminin, Eliane a perdu sa place de leader au profit de Woodcroft. Eliane, désormais 2e, devance Amandine Ferrato. 4e place provisoire pour Elisa Desco, qui a grappillé 2 places lors de la dernière course. La 5e, Silvia Rampazzo, elle aussi a gagné 2 positions à l'occasion de la dernière course. Maui. Hey, Maui. Stay here, huh? Reste ici. Yeah. Oui. Ok. Okay. So, on recommence. Lors des 15 dernières années, j'ai beaucoup couru. Ça pouvait faire entre 30 et 50 courses par an, entre le ski alpinisme et le trail. Du coup, pour moi, il s'agissait de faire le meilleur résultat possible tout en essayant de conserver le maximum d'énergie pour la course suivante, du week-end suivant. Cette année, j'ai décidé de ne pas trop courir, pour m'entraîner plus sur des objectifs. Ce qui fait une grosse différence par rapport à avant. Rester à la maison, s'entraîner, ne pas trop faire de voyage, se préparer au mieux. Le record de Jonathan Wyatt sur Sierre Zinal est vraiment impressionnant. C'était juste après qu'il participe aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est un record compliqué, car tu dois être un bon grimpeur, mais également vraiment rapide sur les sections plates et plus roulantes. Normalement, on perd du temps dans la montée sur le record de Jonathan. Quelques minutes, puis quelques-unes de plus sur le plat. C'est uniquement dans la dernière partie, après l'hôtel Weisshorn, que nous arrivons à courir plus vite que lui. Si nous voulons nous rapprocher de son record, nous devons nous entraîner à courir plus vite en montée sur le plat, et ça, c'est beaucoup de travail. La première fois que je suis venu en Suisse, c'était en 1979, et je pense avoir eu beaucoup de chance de remporter ici ma première victoire. Je suis revenu de nouveau et j'ai encore gagné. Alors je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas que de la chance. Puis je suis revenu une troisième fois, et j'ai gagné une troisième fois. Et ils ont dit, bon, tu sais, peut-être a-t-il eu encore de la chance. Personne ne peut s'imposer 4 fois de suite, c'est impossible. Et j'ai gagné une 4e fois. Et bien sûr, Sierre Zinal n'était pas le Hollywood de maintenant. La compétition était là, mais pas aussi dense qu'elle ne l'est, surtout cette année. La légende Pablo Vigil a remporté 4 fois Sierre Zinal également. Et il est l'un des pionniers du trail running. Cette course est la plus ancienne du genre en Europe. Certains la nomment le marathon de New York des courses de montagne. 40 ans se sont écoulés depuis la première édition, mais l'essence des années 70 est toujours présente. Allons retrouver Philippe pour voir ce qu'il se passe sur la ligne de départ à Sierre.
Salut à tous, nous sommes ici pour la quatrième étape de la Golden Trail World Series. Devinez où nous sommes, c'est Sierzinal, une course de folie et rapide. Les coureurs sont à bloc, l'excitation au sommet, ça va être une course de dingue. Ah oui, je suis très heureux d'être là, d'être dans un endroit magnifique en compagnie de très bons coureurs. Je vais juste essayer de profiter du moment et de donner le meilleur de moi-même. Wow, aujourd'hui, le niveau des athlètes est le plus élevé que nous ayons jamais vu dans l'histoire d'une compétition de trail running. C'est incroyable de voir tous ces coureurs ensemble, au même moment, au même endroit, qui viennent de disciplines différentes, des quatre coins du globe, pour s'affronter ici, sur Sierzinal, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et essayer de remporter la plus célèbre des courses de montagne au monde. C'est un moment magique que nous allons vivre. Je pense que cette année, c'est l'année la plus compliquée pour terminer parmi les meilleurs. Au départ, je peux pas vous dire qui je vois dans le top 20, car je vois 50 gars capables de terminer dans le top 20 et 10 athlètes capables de gagner la course. Avoir une telle course de trail où tu as des athlètes qui terminent tous à quelques secondes les uns des autres, c'est quelque chose d'unique. Ça va être excitant, j'aurais aimé la regarder cette course plutôt que de la courir. Mais j'espère pouvoir la regarder après la course. J'aurais aimé être assez jeune pour courir face à Kylian et tous ces gars, juste pour dire que j'étais là aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de courir la course de montagne la plus relevée de l'histoire. Je sais qu'il y a 6 semaines, j'étais très excité à l'idée de prendre part à ce Sierzinal et de mettre un maillot Oka en tête. La première montée débute vers Nuke et va jusqu'à Ponchette. La pente s'élève sérieusement et commence à faire des dégâts. Kylian avale en 34 minutes les 1000 mètres de dénivelé effectués en 4,5 km, ce qui prend 1h30 à un coureur de milieu de peloton. Le rythme imposé par Kylian est dément. Sur la première montée, j'avais de bonnes sensations et je connaissais le temps de Jonathan Wyatt à Ponchette et Chandolin. J'ai donc essayé d'être dans ces temps et j'étais content d'y parvenir. Si vous essayez de courir trop vite au début, c'est la montagne qui va gagner. La première partie dans la montée, où j'ai vu que j'étais en forme, que je rattrapais chaque fois du monde. Et puis c'est là aussi où je me sens le plus à l'aise. Donc vraiment la grosse montée. Una giornata perfetta. Ah, c'était une journée parfaite. De bonnes sensations, la température, la couleur du ciel. J'étais très heureuse. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Merci, papa. Bravo. Allez, 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 bravo, bravo. Allez, super, bravo. Allez, allez, allez. 3,40 de la première. Allez, bravo, bravo. Merci, au revoir. Ok, ça ne devient jamais plus facile. Donc ça, c'est une section plate, qui n'est pas vraiment plate du tout. Vous avez ensuite quelques sections de course plus rapides et puis la montée vers le point culminant à 2400 mètres. Good morning, guys. Welcome to Chandolin. Bonjour à tous, bienvenue à Chandolin. Je suis au ravitaillement placé au kilomètre 11. Ici, les coureurs sur route vont pouvoir accélérer et revenir sur les trailers. Maintenant, tout semble calme, mais ça va changer très vite. À toi, Pau. So, back to you, Pau. Merci Martina, nous sommes désormais à Chandolin, au kilomètre 11. Les coureurs viennent juste de franchir la première grosse difficulté. Kylian est aux commandes avec 2 minutes d'avance sur Petro Mamou. Voyons si Kylian est capable de garder cet avantage. Mais attendez, c'est notre présentatrice Martina qui a changé de rythme et qui a pris la tête devant Kylian.
Maud Matisse a un avantage de 2 minutes 43 secondes sur Judith et vient de battre le record à Chandolin de 2 minutes et 4 secondes. Si elle parvient à conserver cette avance, cela pourrait être une journée épique pour l'histoire du trail. Nous voici à Chandolin. L'ambiance est bien plus folle maintenant. Les coureurs sont passés si vite. Kylian était aux commandes. Petro Mamou deuxième et Nossi du Lesotho en troisième position. Du côté des filles, c'est Maud Matisse qui mène devant une autre Suissesse, Judith Wider, et Sylvia Rampazzo qui était troisième. Mais les quatrième et cinquième sont vraiment proches. Tout est encore possible. Voyons ce qu'il se passe d'ici la ligne d'arrivée. Après l'hôtel Weisshorn, il reste aux coureurs encore 3 km avant de rallier le point culminant de la course. Ensuite, ce sera une partie plane, puis la descente jusqu'à la ligne d'arrivée. Va-t-on voir quelqu'un battre le record ? Nous le verrons après une pause. Et après l'hôtel Weisshorn, la course folle commence maintenant. Nous avons encore des athlètes capables de courir sous les 2h30 et ainsi battre le record de Jonathan Wyatt. Kylian Jornet a creusé un écart très tôt dans la course. Lorsqu'il est arrivé à Ponchette, il avait déjà 2 minutes 06 d'avance sur Petro, second. Et Kylian est parvenu à conserver cet écart jusqu'à Chandolin, au kilomètre 11. Il y a également une belle bataille pour la troisième place entre Tobo Nuzzi et Jim Walsey. Maud Matisse, du côté féminin, est partie très fort dès le début et elle est parvenue à créer un bel écart sur Judith Wider au moment d'atteindre Ponchette. Judith a pris un léger avantage sur Sylvia lors de la montée, mais Sylvia Rampazzo est une bonne coureuse sur le plat. Elle sera donc probablement capable de revenir à nouveau sur Judith. Comme vous pouvez le voir à présent, nous arrivons à l'hôtel Weisshorn et Petro est à 50 mètres derrière Kylian. Nous voici donc à l'hôtel Weisshorn au kilomètre 19. Les coureurs vont accélérer sur la dernière montée. À partir de là, ce sera presque que de la descente jusqu'à Zinal, donc ça va aller très vite. Et nous avons déjà reçu des informations sur le temps de Kylian qui est tout proche du record. Ça va être excitant de voir s'il y parvient ou non. 2h29 à battre. Zinal est connue comme la course des 5 sommets à 4000 mètres. C'est ici, aux abords de l'hôtel Weisshorn, que vous pouvez apprécier cette vue à couper le souffle et voir ainsi ces 5 sommets à plus de 4000 mètres pendant que vous courez. Voyons à présent sur une carte l'écart entre les leaders durant la première moitié de course. Kylian a ralenti le rythme et Petro Mamou a fait l'effort sur la section plane. Il est désormais à 30 secondes de Kylian. C'est incroyable de voir Petro utiliser toutes ses qualités de vitesse à plat pour réduire l'écart avec Kylian. 4 minutes derrière Petro, on retrouve Juan Carlos et encore 40 secondes derrière Jim Walsley, 4e, et Thébo, 5e, 27 secondes derrière Jim. Maud est toujours aux commandes de la course. Elle a 5 minutes et 17 secondes d'avance sur Sylvia Rampazzo qui court en compagnie de Judith. Voyons si Judith va tenter quelque chose durant la montée. En 4e position, Anaïs Sabrier. Et 1 minute derrière Anaïs, nous avons Ruth Croft. Waouh! Comme vous pouvez le voir, Kylian est dans les temps du record de Jonathan Wyatt. Après 19 km et 1950 mètres de dénivelé, Kylian est à 24 secondes. Je savais que le danger majeur aujourd'hui, c'était Petro. Ces courses des dernières semaines étaient incroyables et je savais que ce serait l'homme à abattre. Je pensais qu'il voudrait faire la montée avec moi, mais j'étais plutôt heureux de voir que je l'avais laissé derrière moi, car sur le plat, il était très costaud. J'ai commencé à être fatigué, il est revenu très fort. Maintenant, Kylian est fatigué, donc je peux gagner. Je me suis dit, j'ai une chance. Je pense que Kylian est très difficile à battre dans les parties très techniques. Je voulais donc aborder les 3 derniers kilomètres devant lui afin de pouvoir le battre et remporter la course. Mais aujourd'hui, Kylian était très costaud. Wanna get there too, now run.
Après l'hôtel Weisshorn, vous avez une petite partie de 3 km qui continue de monter jusqu'à atteindre le point culminant. C'est une partie difficile à gérer quand on est fatigué. La course n'est jamais plate. Je pense que c'est peut-être les 3 km que je préfère. Une fois que le parcours arrive en haut de la descente, c'est pas trop technique jusqu'à Zinal. Et je pense que c'est là que j'ai le meilleur avantage sur quelqu'un comme Kylian. Je sais bien que Kylian ne va pas courir à 4,30 au kilomètre. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de 2,45 ou 2,50. Nous venons juste d'atteindre Nava, le point culminant de la course à 2400 mètres d'altitude. Il y a maintenant 3 km de plat, puis la descente vers Zinal. Kylian n'a plus qu'une descente devant lui et tout le monde sait qu'il s'agit de son point fort. Peut-il abandonner quelques secondes durant la descente ? Je réfléchissais à ce qu'il se passait derrière. Je voulais établir mon meilleur temps tout en essayant de battre le record de Jonathan Wyatt. Mais je ne suis pas quelqu'un qui dit « je vais le battre à coup sûr cette fois » car je sais qu'il peut se passer beaucoup de choses pendant une course et qu'il est dur de savoir comment on se sent. Mais c'est sûr qu'à l'entraînement, l'un de mes buts était de courir plus vite que Jonathan. Et nous savons tous que lorsque Kylian a quelque chose en tête, il se donne à 200%. Il a survolé la dernière descente technique et il est désormais sous le record, et il le sait. Des centaines de fans encouragent Kylian jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils savent qu'il écrit un nouveau chapitre de l'histoire du trail. Et finalement, cela arrive, le moment que tout le monde attendait. Ça aura pris 15 ans pour battre le record de Jonathan. Mais Kylian l'a fait aujourd'hui de 3 minutes et 27 secondes. Incroyable! Il remporte son 7e Sierzinal et établit un nouveau record de la course en 2h25 et 35 secondes. Petro Mamou, ancien vainqueur de Sierzinal, termine 2e, également sous la barre du précédent record. Quelle belle performance d'avoir gardé Kylian sous pression durant les derniers kilomètres. Et troisième, on retrouve Jim Walsley, le célèbre coureur sur roue qui vient de produire la descente la plus rapide de la journée, ce qui lui permet d'accrocher cette troisième place sur le Sierzinal le plus relevé de l'histoire. Les résultats de la course masculine, Kylian Jornet premier, Petro Mamou deuxième, Jim Walsley troisième, Juan Carlos le Mexicain est quatrième et Robbie Simpson qui a déjà fini deuxième à plusieurs reprises ici termine cinquième. J'avais envie de prendre un peu d'avance dans la montée et puis ensuite d'avoir de prendre encore un petit peu d'avance idéalement dans la partie plate pour pouvoir avoir une belle marge sur Judith Vider dans la descente et j'ai eu beaucoup d'avance sur le plat hein, environ 5 minutes ou 6 minutes je crois et à la fin je lui mets que 5 minutes donc j'ai perdu une minute dans la descente qui était moins technique, hein, donc j'ai pu conserver quand même une belle avance. Maud Mathis a presque couru seule tout au long de la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle bat le record d'Anna de 5 minutes et 6 secondes. Elle le sait, regardez-la, quel beau moment. Le nouveau record à battre est 2h49 minutes et 20 secondes. Quel record. Et voici Judith, qui elle aussi en termine avec 6 secondes d'avance sur le précédent record. Incroyable. Elle était à 2 minutes à l'hôtel Weisshorn, mais elle a repris 1 minute dans la descente pour ravir la deuxième position. Silvia Rampazzo arrive troisième avec un meilleur temps que l'an passé. Attendez, nous avons un sprint entre Anaïs et Ruth. Voilà, une vraie compétition. Elles se battent pour la quatrième place. Ruth fait l'effort et dépasse Anaïs. Ruth ne lâche pas et se classe finalement quatrième. Quel beau moment de compétition. C'est beau de voir ainsi des athlètes dépasser leurs limites. J'ai vraiment pas pensé au record pendant la course. On m'a dit, oui, tu es dans les temps de record, mais moi, j'y croyais pas.
C'est vraiment les derniers 500 mètres quand je suis arrivée sur la route où là j'ai regardé mon chrono et j'ai dit waouh, c'est bon. Maud la fée. C'est époustouflant de faire ce qu'elle a fait. Elle a couru sans avoir le record à l'esprit. Juste la victoire. Et ce qu'elle a fait est juste incroyable. Judith également, la densité était juste incroyable chez les femmes. Ce qu'elles ont fait va marquer l'histoire du trail. Nous sommes ici au Hall of Fame de Sierzinal, avec de nombreux anciens vainqueurs, hommes et femmes. Et là, vous remarquez la seule photo noir et blanc ici, celle de mon époque. À l'époque, l'appareil photo couleur n'existait pas, donc tout le monde a une photo couleur, mais la mienne est en noir et blanc. C'était le bon temps, vous savez. On devrait revenir au noir et blanc. La couleur est ennuyeuse, vraiment. So the race is over. La course est finie. Kylian Jornet l'a emporté, établi un nouveau record. Petro Mamou établit également son record. Jim Wasley a été un incroyable troisième. Maud Matisse explose le record de 6 minutes. Judith Ryder termine seconde, battant le précédent record également. Sylvia Rampazzo troisième. Nous y sommes. C'est la fin de cette quatrième étape de la Golden Trail Series. Et l'on se retrouvera pour la cinquième dans deux semaines à Pikes Peak aux États-Unis. Jetons un œil au classement après Sierzinal. Chez les hommes, Davide prend les commandes du général alors que Bart perd une place. Stian, qui n'a pas couru Sierzinal, descend d'une place et est désormais troisième. Kylian, après sa victoire du jour, est de retour à la quatrième place du classement, devant Thibaut, seulement 16 points derrière. Après cette course, pas mal d'athlètes ont déjà effectué 3 courses et ont assez de points pour se qualifier pour la grande finale au Népal. Les courses restantes serviront à améliorer leur cumul de points pour être dans le top 10. Chez les femmes, Ruth Croft conserve la tête grâce à sa quatrième place. Eliane, elle, descend à la cinquième place, alors que la deuxième place est occupée par Sylvia Rampazzo. Elisa Desco monte d'un cran et est désormais troisième, alors que Judith Ryder fait de même et se retrouve quatrième. Merci de nous avoir suivis. Quelle belle journée avec de l'action et de l'émotion. Prochaine étape de la série dans le Colorado pour le marathon de Pikes Peak. A très vite sur la Golden Trail World Series. On se retrouve aux États-Unis. L'an dernier, sur le marathon de Pikes Peak, c'est un couple de locaux du Colorado qui s'est imposé. Au moment d'atteindre le sommet de Pikes Peak, Dakota Jones est en deuxième position. Il met la gomme dans la descente pour prendre le meilleur sur Darren Beck. Dakota s'impose à la faveur de la descente la plus rapide de l'histoire de la course, un record de la descente qui tenait depuis 1993. Du côté des femmes, Megan, arrivée à mi-course, semblant encore fraîche et très costaud, elle ne laissa aucune chance à ses adversaires pour la victoire finale. Megan puisa dans ses réserves jusqu'au bout pour établir un nouveau record en 4h15 minutes et 4 secondes, un record détenu par Lynn depuis 1981.